Alors. Ça fait le deuxième truc vide avec de la flotte à côté. Je me demande si à un moment on va libérer un truc là. Mal en point, battu et apeuré pour nos vies, nous sommes rendus aux humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous ont scellés sous terre avec un pouvoir magique. Rien ne peut entrer à travers le sceau, mais seulement les êtres avec une âme puissante peuvent partir. Il n'y a qu'une seule manière de renverser ce sort. Si un pouvoir équivalent à cette âme humaine attaque la barrière, elle sera détruite. Mais cet endroit maudit n'a ni entrée ni sortie. Il n'y a aucune manière pour qu'un humain puisse arriver ici. Nous resterons piégés ici pour toujours. Ahem! C'est un problème! Ah, d'accord. Ok, d'accord. Au moins j'ai compris le système de comment marche ce coin. Alors. Ennemi spécial Timmy apparaît pour te dé pour te bête pour de te, dé te détruire. Nous allons nourrir Timmy. Timmy veut seulement les Timmy Flakes. Non, tellement faim, meurt. Mais j'ai pas de Timmy Flakes. Alors. Si je flex devant Timmy, ou je parle à Timmy peut-être. Je dis bonjour à Timmy. Oh, je suis Timmy! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe! Mais essaye de te glomper. Ok. C'est... D'accord. Ah, il n'y a pas de suite par là. Ah, d'accord, ok. Ça y est, j'ai compris le principe. Hop là. Timmy? Ah non, les gélatines. Bon, bah c'est au moins. Ah tiens, cette gélatine-là, on ne peut pas la voir comme ça. Ah, parce que ce n'est pas une gélatine. C'était un piège. La vache. Je vais hugger ce truc-là. Ah, d'accord. Ah, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Il me reste un point de vie. Je vais crever. On va prendre un item. Décaliner le monstre et il apprécie votre respect pour ses. Ah, du coup, je peux me barrer. Ok. Non, zut! J'ai fait flee et pas escape. Et bon, c'est pas grave. Je pense pas que ça fait une énorme différence. Sauf que du coup, j'ai pas eu les. Que c'est que ce bordel? Sans bougie ou magie pour les guider vers la maison, les monstres utilisaient les cristaux pour naviguer. D'accord.
Et plus les cristaux s'allument, plus les herbes disparaissent. Ouh la vache. Ok. Alors, Oshua, tu le nettoies. Et par contre, il te faut que je récupère des trucs verts pour gagner des HP. Ok. Et du coup, non, je peux pas encore le faire. Et Aaron, tu flex. On va continuer le flex. Est-ce que tout le monde sur le flex? Allez, putain de bord, on y est. Puis on va le recline. Ça, on peut récupérer un petit peu de HP normalement. Si je joue pas comme une merde. J'ai joué comme une merde. Donc lui, on peut déjà le spare et on reflexe. Non, merde. Un HP. Un certain art d'aller juste là où il fallait pas aller. Me faire rebooter à combien de temps? Ah, je vais le payer celui-là. Ah, je vais le payer. Je vais le payer cher. Je vais me bouffer les couilles. Bon, allez hop. Ça vous a plu? Non! Alors on continue! Et du coup, je peux pas directement traverser là, même si je vois pas la route. Si tu étais trop beau! Alors, au moins maintenant, je sais pas où faut passer. Salut Timmy! Ah, ça y est, c'est déjà bon. Il suffisait de dire bonjour à Timmy et il te lâche en fait. Ok, d'accord. Bon. Eh bien, on ne gagne pas à tous les coups, mes enfants. Surtout quand on joue comme une merde. C'est un peu la leçon de ce sport. Ah bah ça va, on n'a pas été repop trop loin non plus. Non, c'était toujours pas par là. Je pense que tu pourras réessayer 15 fois et ça restera toujours pas par là. Alors. Ça va être le même fight. Non, ça va être le fight de tout à l'heure. Spare. Ok. On va essayer le même combo que tout à l'heure, on va voir si ça a fonctionné. Hug. Et un hug. Il fait mal celui-là quand même, hein. Il fait super mal à chaque fois. Et il me faut une lampe, 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 il me faut une lampe. Je sais pas où je vais, il me faut une lampe. Merci. Ah, bah je vais au bon endroit directement. Moulman, le plus grand héros, Moulman. Oui, je suis sûr que le fait qu'on soit... Dans le noir complet avec plus aucun truc pour nous aider, ça n'est absolument pas mauvais signe. Derrière toi. Salut Undine. On fait ça, on fait pas ça, on négocie. 7. 7 âmes humaines. Avec le pouvoir de 7 âmes humaines, notre roi, le roi Asgard Rimmer, va devenir un dieu. Avec ce pouvoir, Asgore peut finalement casser la barrière. On pourra reprendre la surface à l'humanité.
on pourra leur redonner la souffrance et la douleur que nous avons endurées. Et tu comprends, humain, c'est ta seule chance à la rédemption. Donne ton âme, ou je l'arracherai de ton corps. Undyne, je vais t'aider à combattre. Ouah, t'as fait ça, t'y es arrivé. Undyne est roi droite devant toi. Tu vas avoir les billets au premier héros pour son combat. Attends, qui est-ce qu'elle combat? Hé, hey, tu vas pas parvenir mes parents, n'est-ce pas? J'ai un peu de me faire sauver les miches quand même. Hein. J'adore ce système de fleurs quand même. Par là-haut? Par là-haut. J'entends une conversation en passant. Et je dis, mon neveu, tu promets que tu vas pas te moquer? Bien sûr que non. Un jour, j'aimerais monter tout en haut de cette montagne sous laquelle nous sommes enterrés. Sous le ciel, regarder le monde autour de nous, c'est mon vœu. Et t'as dit que tu ne rirais pas. Désolé, c'est juste drôle. C'est aussi mon vœu. Il y a une prophétie, un ange, celui qui a vu la surface. Ils vont revenir et les caves, enfin le sous-sol se videra. Non, c'est pas un ponce. Yo! Hey! Je suppose qu'on n'est plus amis. Je sais que je suis pas censé être là, mais je vais demander quelque chose. Oui. T'es humain, n'est-ce pas? Oui. Je le savais. Enfin, je crois que je suis humain, pour ce que j'en sais. Undyne m'a dit, reste éloigné de cet humain. Je pense que ça nous fait de nous des ennemis ou un truc de genre. Mais j'ai un peu du mal avec ça. Okay. Quelque chose de méchant, comme ça je pourrais te haïr. Non. Je déteste. D'accord. Une telle merde. Je vais rentrer maintenant. Ok. Bah non, je vais pas. Attention! Elle prend juste son élan. Hein. Non, ok, d'accord. Et parti. Elle a vraiment sauvé ma bobo. On fera avec, hein. Allez, rentre chez toi. Vas-y, mon grand. Allez, hop. Bon, point de sauvegarde, boss fight, comment ça se passe, là? Et là, là, au niveau du décor et tout, 7. Oui, 7 âmes, le saut, tout le barda. Il l'a déjà fait. 6. Ah, d'accord. Ils ont déjà collecté 6 âmes. À travers ta 7e et finale âme, point de sauvegarde était en arrière. Too bad. Oups. Je te racontais l'histoire tragique de notre peuple. Non mais c'est bon, je crois que je la connais déjà en fait. Non, tu sais quoi? Merde. Pourquoi il faudrait que je te raconte cette histoire? Tu es sur le point de mourir. Niaaaag. Classe. Toi.
Tu es en face des espoirs et des rêves de tout le monde. Les livres d'histoire d'Alphys m'ont fait croire que les humains étaient cool, avec leurs robots géants et leurs hommes à épée. Oui, enfin voilà, quoi. Ok. Mais toi, tu es juste un... quoi ? Quoi ? Te cachant derrière cet enfant, alors que Dieu, pour pouvoir t'enfuir de moi à nouveau. Oh, je fais une telle différence en faisant des câlins à des étrangers au hasard. C'est ce qui est plus valuable pour tout le monde. Si tu étais mort. Ok, oui, je... Elle, pour négocier, ça va être compliqué. Non, mais personne n'a rien dit sur le backseat. Personne n'a rien dit sur le backseat. Là, c'est bon. J'ai juste pas envie que vous me spoiliez des trucs après qu'ils arrivent, avant qu'ils arrivent. Me spoiler des trucs après que je les ai faits, c'est pas trop grave. Là, c'est du front seat, en l'occurrence. Et le front seat est permis. Le backseat, voilà. Ah, point de sauvegarde. Tout va bien. Merci beaucoup. On est parti. Cassez ta gueule. En garde. Tiens, mon cœur est vert maintenant. Je vais la challenger. Tiens, ça sera marrant. Tant que tu es vert, tu ne peux pas t'échapper. À moins que tu fasses face au danger. Tu ne tiendras pas une seconde face à moi. Ah, d'accord. C'est un jeu de rythme. Ok, ça... Une dîme fait un suplex à une grosse pierre, juste parce qu'elle le peut. J'aime ton style, Josiane. Est-ce que c'est en rythme avec la musique ou pas? Raté, ok. Voilà comment on la joue. Voilà comment on l'a fait sur la côte est. Ah, chut, la dernière. Ouh la vache. Ok. 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 C'est bon. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est pas un problème. Je sais exactement ce que je fais. Je suis un professionnel du multivideo gaming. Non, et puis j'ai pas les bons items de défense, je suis pas assez stuff. C'est juste ça le problème. Sinon, il y a aucun souci. Peut-être pas obligé de la provoquer à chaque tour non plus, non? C'est peut-être quand même une meilleure idée, mais... Ok. Si je fais juste check, ça avance quand même ou pas? Ça a l'air d'avancer quand même. Bon, on va faire ça pour commencer. Voilà, hein. Ok, j'ai droit à 5 hits avant que ça soit mort. Ok, ça c'est bon. Merde. Ah là, je peux rebouger, ok. Bon, donc, unicycle. Ouais. Ah, donc on est reparti sur du normal. D'accord. Ok. Et on va recommencer à la challenger.
Ah, ça y est, je suis revert. Donc, check, normal. Ok. Salut, Mr. Wiggle! Que tu es sur un acte de pitié. Hop! Saloperie! Non, on va pas encore. On va pas encore faire péter l'astrofood et le dog cream et le nice cream. Allez, allez, on est des aventuriers de l'impossible, bordel. Je vais regretter, mais énormément, ce que je suis en train de faire. Hop là, non, c'est bon. Maintenant, on prend un ice cream. Mais Undyne T, je parlais de mon berger, déjà. Putain, je suis déjà à 8 HP. Est-ce que je la challenge ou qu'est-ce que je fais? On va juste la checker pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un... C'est un combat de résilience, en fait. C'est pas trop... J'étais même pas dans le truc! Elfis m'a dit que les humains sont déterminés. À ne pas crever comme une... Oh, la saloperie! Oh là là! Ah mais on la joue comme ça en fait. Ok, d'accord. Hop, hop, hop. Dites-moi que j'ai encore un truc. Bug résidu, c'est quoi? Oh merde! Ah. Ok, ce combat est dur. Ce combat est vraiment dur. Ce combat est vraiment putain de dur. Bon, allez, on y retourne. Ouais, on a compris. Non, pas fight. Salut Link! T'inquiète pas, il y a beaucoup plus dur après. Je ne m'inquiète pas. Alors. Du coup, par contre, je ne vais plus la provoquer. Hein, parce que du coup, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Ça sera vachement plus jouable si j'arrête de la provoquer comme un con. Alors. Ouais, alors on va y arriver beaucoup mieux. On va se dire que c'est une bataille de stamina et qu'il faut que j'arrête de la provoquer pour avoir des attaques à la con beaucoup trop rapides. Jouons la petit sexe. Voilà. Voilà. Merde. Je me fais baiser sur la phase la plus simple, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh, tiens, une attaque que j'avais pas encore eue. Le beau jeu, il est mort lors du deuxième essai, Neji. Ah!
vache! Ouais, ça sentirait le sushi exactement. Hop. 8 PV, on prend l'unicycle. Ok. Merde. Le deuxième, j'aurais dû l'éviter. Le deuxième, j'aurais dû l'éviter. Ok, ça passe. Merde. 8. 8, on fait encore un tour avant de craquer. On fait encore un tour avant de faire péter le prochain item de santé. Ah, ok. On fait encore un tour. Je crois que c'est pas encore là où il va essayer de me baiser. Ah, ah, c'est bon. Maintenant, on prend l'item de santé. J'y arrive pas avec ce truc. Hein. Allez, laisse tomber, putain. Merde, merde. 3 HP. Pitié. Foutez-moi la paix. Non, non, mais à mon avis, on n'était pas loin en plus. Ok, là, ça commence à me casser les noix, hein, donc... Mais ça va bien se passer. On garde son calme, on reste cool dans son esprit, cool dans sa tête, on reste frais. Et je suis frais. Je suis frais comme Cool and the Gang. Alors. Ok, jusqu'ici tout va bien. En même temps, j'ai aussi foiré mes deux premières tentatives en la provoquant à chaque fois, ce qui était de loin vraiment pas une bonne idée. Je réalise maintenant l'étendue de mon erreur, tu vois. Mais par contre, les jaunes, c'est vraiment de la chiourlie, en fait. Hein. Parce qu'en plus, il y a un délai sur les jaunes, donc c'est vraiment de la merde. Ouf, la vache. Et toujours éliminer, et toujours éviter le spire après, parce que le spire, ça fait mal. Ok, bon, perfect sur la première partie, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, ensuite, ça c'est la chiourlie, toujours. Non ! Ok. Pour l'instant, on s'est toujours pas pris un dégât, tout va bien. Il ne faut pas paniquer. Non ! Ok. Premier dégât. Bon. Premier dégât et on arrive déjà à la troisième phase. On s'est pris 4 PV de dégâts pour l'instant. On a encore tous les items de soins. Ça va bien se passer. Ok. Deuxième dégât. Là, ça commence à être la merde. Troisième dégât. Pour l'instant, on ne panique pas encore. Quatrième dégât, là on commence à paniquer. Alors on va prendre notre premier item de soin. Merde! Ok, on a évité le spire au moins. 11 PV, ça veut dire que je peux prendre 2 dégâts avant de devoir prendre le dernier item de soin qui me reste. On n'est même pas encore à la phase avec les saloperies jaunes. Hein.
Bon, remarque, c'est bien. Jusqu'ici, il a la gentillesse de me filer le pattern qui n'est pas trop compliqué. Ok. Allez, je crois que c'est la dernière phase, là. Enfin, c'est la phase avec les trucs jaunes, la phase chiante, la phase qui ne se termine pas. Hop là. Ok, ça c'est bon. Pas mal. Et merde! Putain, la vitesse à laquelle ça va, quoi!